J'arrive avec la pièce de résistance. Des fraises. Wow. Oh my God! Des petites fraises là, qui poussent à ras le sol, qui rampent, qui reviennent à chaque année. Yeah! Des fraises des champs qu'on appelle? Oui, fraises des champs, fraises de Virginie. Dieu! C'est-tu comme les petites comme ça, vraiment sucrées? Toutes petites, là, vraiment sucrées, vraiment bonnes. Non, je connais de ça, wow, dans le compte, on a. Ça, puis on marche dessus beaucoup, puis ça, effectivement, ça revient à chaque année. Où est-ce qu'on met ça? Ben là, vous avez un endroit ici avec plein de petits fruits. Ce serait logique, non? C'est comme ça, ça serait dans le thème, là. Les petits fraisiers comme ça, c'est vraiment le fun. Ça pousse très bien, puis c'est rampant, c'est vivace, ça demande pas d'entretien. C'est vraiment fantastique. En fait, moi, j'enlèverais tout ce qui est pas des trucs qu'on a plantés, nous. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne comme idée. Comme ça, tout ce qui serait autour, ça serait des fraisiers. On aime puis ça. On serait enfin heureux d'aller. OK, parfait. Ils ont différents noms, là, fraisier de Virginie, fraisier alpin, fraisier sauvage. On va avoir des fraises dès la deuxième année, en petite quantité, le temps que les fraisiers s'implantent. Puis les fraises vont arriver autour du mois de juin, ça peut aller à mi-juin. Je trouve ça cool quand même que vous soyez rendu là, parce que tu sais, quand j'étais plus jeune, toi, t'étais pas du tout là-dedans, là. Puis là, tu sais, vous êtes rendu là, avec un jardin, avec... je trouve ça vraiment une conscience. Puis je trouve ça tellement important parce qu'on a besoin de ça pour le futur, tu sais. Puis pour... moi, si je veux avoir des enfants un jour, c'est sûr qu'il faut faire attention à l'environnement. Puis c'est capoté. Mais oui, j'avoue qu'on a beaucoup évolué depuis 30 ans. Ouais, c'est quand même capoté.